levez-vous pour aller ouvrir. Toi. Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot. Et vous, vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas, il va se lasser. À un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Voilà. Le tube de dentifrice géant. Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Mes pieds. C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, 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 mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant moi-même? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu. J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Encore Jules, espèce de violeur d'intimité. J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Tu es coincé. Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu
brûle. C'est pas la petite. Ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommades. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour monsieur, je suis Robert. Ah bien, c'est parfait, marché conclu, revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crêpes. La maison a disparu. Yeah, yeah. Hey, et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Aïe! Ah! Hey, par ici. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ouais, ça a marché! Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Mais regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Edouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Oui, pas. Revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Edouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Zzz, zzz, zzz.
Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. But. Il y a un canard sur la douane. Salut beauté, je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesure d'urgence enclenchée. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%, condition d'hygiène critique. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle masse plus, Tilly? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos! Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi, je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello. Je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, et non. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale. Le cerveau, si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elles, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de superordinateurs. Elle a un sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre
autre chose pour votre service, monsieur? Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena ! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'en faire. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah ! Ça, au moins, c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh, mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non, mais quel scandale impardonnable. Alina, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je suis programmée pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher ces feuilles de thé vert. Tiens, tiens, tiens! Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, non! Ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relaxe, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé « Poterie ou water polo ». Quelle activité a le plus de sens à l'aube du troisième millénaire? Zébra! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes! Ça peut pas être moi! Et comment je pourrais? J'ai même trop de meufs! Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer la maison? C'est moi, peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu. Allez là, ça suffit, c'est ce jeu. Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne! On change de décor. Attention à la tête! Elle était bien bonne! Puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh, ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote? Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qui peut, chacun pour soi! Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou, les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça, c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse.
On ne joue plus. Je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant un mois ou deux. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. J'ai une idée. À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant. Oh, je voulais dire à gauche. Maintenant. Oh. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, 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 stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais. Il est dans mon œil. Rends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant. Mais de profil. Ah, ben, tire ton pied de mon oreille. En avant. C'est même pas mon pied. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien-nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler. Tu te crois supérieur parce que tu es en bois. Tu trouves que les frites grassent avec des puces en silicone, c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous voyez ce que j'ai dans mes tiroirs? Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, débranche, débranche. Mais oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive-moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite de l'eau. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle aspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum. Monsieur, désire-t-il que je lui fasse un peu de crème dans le dos? La chaîne du. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là, 42-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop humain. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197.283.710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zibre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pont d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison d'un génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. C'est top. Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours. J'ai faim. On casse la dalle.
Tchoum! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey, le mec m'a maté le jackpot. On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pipes et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Alors, le paradis du bricoleur, j'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX-118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche deux pots d'échappement THX-118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX-118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou! Bon, ça suffit, ne voyons pas que j'ai du boulot! Éteins-moi cette télé! C'est pas moi! C'est les motos des bikers! Tiens, 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 mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés! La Providence nous envoie les pots grâce auxquels nous allons nous envoler! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV! On les infiltre, on se serre et on s'en va! Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe, j'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Toudou, Jack, respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme guéri. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entraînait plus entre motards? Mon zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Eh oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre monde. Vroom, vroom. Hey, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bizu, bizu, bizu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodorum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Tu fais durer la partie pour que j'aie le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme, parce qu'elle a pas le bras dans la poche, la bête. Ok, on part à trois. Et un, deux, trois. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage.
Amour, tu joues? Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, boule et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Vikers pour toujours! Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous-trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Eh, c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà, voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zibra, le zibra! J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing-gum! Il était assez collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous deux motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. Ben, c'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Elle abandonne ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort! Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker toujours. Mort. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom, et vous, vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. De retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4-4-4-4-4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous! Ah, je vois rien! Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Pas mal. Aïe! Assis là quand même. Aïe! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin les yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Hey, moi, j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh, je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, hein? Waouh!
horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de menues tensions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Oh, mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Cordy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, hey, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine! Là sur le camion, ouh, c'est Madame Zelza! Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde! Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif. C'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse à tant soit peu à mon beau mariage. Allez, on se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale. Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sur mon courant. Et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et découvrir la liste, j'aimerais qu'elle... Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Prends ces cartes à la grande Zelza. Tenez, Madame Zelza. Désolée. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive, oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 euros. Hé, hey, Miss Alabazam! Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non, mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon! Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut! Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi! Et moi au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non! Gorgiou, ça a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros, toute taxe comprise. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clap horripilant des 2 000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2 000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À
la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction. Yeah, ils ont supprimé mon show. Les gendarmes mettent en string. Je suis maudit. Yeah. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non, Zelda, la malédiction. Mon aspirateur est malade et Gorgeous est sur le point d'exploser. Et le show de mode a mystérieusement disparu. Oh, voyons, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgeous, tu t'es encore en pifraie d'huître fourrée au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hey, dites-moi, vous comptez aller où? Hey, Gendarme en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, où, Gareth? J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à bourre. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport et prendre une contravention par les gendarmes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitres rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Oui, vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun. Ça vous fait 1000 euros. Au suivant. Mesdames, messieurs, Madame ZetnoLivotreAvenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno, mets du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Willy, chili, bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chat pané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, hey, la queue. Ah ben les tricheurs. Mais où te crois-tu ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Oh, je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh, 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 mes beaux amis tahitiens. Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Thank you.
Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Diffuse à nouveau les gendarmes en string. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. Mais t'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Bud, tu ouvres cette porte tout de suite. Y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud, il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie, ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. Deux jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade, hein! Allez, mon gars! Use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Et non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort.
Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre. Je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. Et de toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée? Parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Putain ! Mon réacteur ! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. Ah, c'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées. Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse qu'on dit, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce que il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, bonne prêtre Alicia. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo? Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qu'ils cherchent. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. La 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 la. Oui. Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Autant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit.
Ou si vous vous sentiez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre? Et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang! Ah, ça veut leur embouchure, quoi, aux infirmières de l'asile! Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous! Cinglé! Complètement cinglé! Il est cinglé! C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien, bien glacée. Congelez-le, plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé. Oui, la prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain. Cuisine. Très grand salon. Quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Oh, pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 85, 95, 92, 80. Oh.
Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudents. Alors, vous venez. Suffit d'avoir l'œil. Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh. Essaie de te retenir. Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer? Pourquoi tu ne prends pas ma place? Prends patience, il va bien finir par se lasser. Avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Eureka, je sais. Ok, et un, et deux, et trois. Moi, j'ai un plan, et cette fois un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou Candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt. Guili, guili. Guili, guili, guili. Go. Yes. Doudou. Lâche-moi. Tiens, tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, mais... oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Reste toujours le plan B. Bon,
Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment? Je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Mes patchs? Qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? C'est pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut, ils sont hideux, il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je ne peux pas quitter cette maison! Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis 7 ans! Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais! Oh, mon doudou, il est revenu! Doudou a envie de faire un gros dodo! Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut! Alors, c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah! Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. Aujourd'hui,
Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de... de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement. Hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très, très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noire, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça. C'est du matos de pompe, les jojo, fillette. Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer. Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Fourlaille, fourlaille, c'est scumta. Oh, c'est le sort, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve une machine. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Ben merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Cody. Oh, ça marche, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire,
candies. Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. J'en rêvais, comment avez-vous deviné? Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse, c'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire. Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur! Oh, je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 euros l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes frontières, ça nous fait un total de 1 782 177 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire, je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà! Jusqu'au dernier sou! Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Non, parfait! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, rage, relouk, non, non, on ne paniquons pas! Détendez-vous, c'est rien du tout! Ouli, ouli, ramazazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, Candy, on t'aime, Candy, à moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy. Ami à nous. Candy, on aime Candy. Candy. Clara Boss, je présume. Oh, maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial.
Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? J'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors? Une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant?